mère s'est mise en grève et l'a même dépassée. De la terre des hommes, elle s'est emparée. La puissance de son flot a nivelé l'espace. Elle a mis à niveau l'ensemble de la race. Quelques îlots émergent, épars à la surface. Laisse peu de doute quand tout sort de la masse. Depuis des décennies, elle y réfléchissait. D'alerte en tsunami, elle nous prévenait. Nos actions en son sein lui posaient des problèmes, et il lui fallut bien résoudre le dilemme. À cause des siens, chaque jour enlevé, ses enfants et ses biens dépecés, dévorés, aux énormes moyens par l'humain développés, la décision fut prise pour elle de stopper. L'équilibre rompu la poussa à l'action. Aux autres éléments, elle posa la question. Les arbres répondirent, les animaux bondirent. L'air lui apporta son accord dans un souffle. Les minéraux ne restèrent pas de marbre non plus. Tous s'accordèrent à dire qu'il fallait faire cesser la destruction massive due à l'humanité. Que puisque les signaux ne seraient pas compris, le mieux peut-être était d'en finir avec leur vie. Dans un lointain passé, la chose s'était produite. Il fallut mettre à plat pour cause de mal conduite. Les dominants d'alors furent alors remplacés par une race de bipèdes qui avait si bien commencé. La mère s'est mise en grève, elle l'a même dépassée. De la terre des hommes, elle s'est emparée. La puissance de son flot a nivelé l'espace. Elle a mis à niveau l'ensemble de la race. Quelques îlots émergent, épars à la surface, et laissent peu de doute quant au sort de la masse. La mère s'est mise en grève, elle l'a même effacée.